Allô le droit Ici les justiciers masqués. Ohé ohé, les justiciers masqués, ohé ohé, ohé Tout le monde veut devenir avocate, parce qu'en droit ce qui nous plaît, c'est un bon procès. Que ce soit le code civil ou le code pénal, nous c'est la justice qui nous emballe. Bonjour Superbe Basile. Bonsoir Superbe Martin. <laughs> Vous êtes taquin Superbe Basile. Non, je suis précis. Ah d'accord. Bon. Avez-vous vu mes nouveaux souliers en cuivre j'ai vu Superbe Martin, je, pensée, suis, je, je ne suis pas pour. Vous êtes, vous êtes contre mes souliers Je ne suis pas contre, je ne suis pas pour. Peut-être que je n'ai pas d'avis. Peut-être que je m'en fous. <laughs> Alors, vous êtes un superbe héros. <laughs> je le prends mal hein, pour mes souliers, sachez-le. <laughs> Et aujourd'hui, une nouvelle fois, un cas va nous intéresser. Un cas. Quel est le sujet du jour Le sujet est très simple. Imaginons le cas d'un homme qui euh, est porteur d'un virus. Qui okay. hein. n'est pas de... porteur d'un soulier en cuivre. <laughs> non, même si c'est certainement un virus. Hein. <rire> <rire> euh, porteur d'un virus, euh, par exemple le sida. Imaginons donc qu'il couche sans, sans préservatif et qu'il transmet ce virus à quelqu'un qui meurt de ce virus. Homicide involontaire Homicide volontaire Homicide tout court Accident Je ne sais pas. On répondra peut-être à ce cas dans cette émission. Peut-être Sûrement. Êtes-vous sûr <laughs> En cas, premièrement, je sais que j'ai le sida et je le refile de, ma de manière, de façon volontaire à ma concubine ou réciproquement. Deuxième cas, je ne sais pas que j'ai le sida et je le refile. Voilà. voilà c'est Moi, je dirais plutôt, je sais que j'ai le sida, mais je, mais je ne le dis pas. Et du coup, je dis euh, non, on n'a pas besoin de se couvrir, tu vois. Voilà. Et. Je ne sais pas que j'ai le sida, et du coup, je dis non, mais j'ai rien. et on... Enfin, tu vois, voilà, c'est plus. Alors, euh, vraiment... On va commencer, tu ne sais pas que t'as le sida. Tu ne sais pas que t'as le sida. Donc, euh, Donc t'es pas du le tout coupable. pas du tout coupable. À moins qu'il y ait une loi qui dise, euh, tous les trois mois, tu dois tu faire, dois un faire un test. des tests. Ouais. Un peu comme dans le monde de la pornographie, excuse-moi du ouais. peu. Non, je, 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 ne vous excusez pas, si Martin. <laughs> ne vous excusez <rire> pas. <laughs> Est-ce que le monde est un film de boules <laughs> On en parlera dans une autre émission. Une autre émission. Mais, euh, mais je pense. Ouais. Mais alors. <laughs> tu... alors, je, alors là, qu'est-ce qu'on dirait Moi, je dirais que, euh, que non. C'est tellement un sujet de tous les jours. C'est tellement. Tu vois Alors, moi, moi je, je nuancerais tes propos. Oui, c'est pas forcément sa faute, mais c'est trop facile aussi de le savoir et de faire semblant de ne pas le savoir. Oui, mais là, on parle de quelqu'un qui ne le sait pas. Ou qui le sait, qui fait semblant de pas le savoir. Mais non, on a dit que là, on parlait de quelqu'un qui le savait pas. Dans un premier temps, on... qu'est-ce qui se passe quand on ne sait pas et qu'on le refile Qu'est-ce qui se passe Pour moi, il n'y a rien, il se passe rien. C'est juste malheureux, voilà. C'est comme ça. <laughs> Excusez-moi, superbe si basile, mais <laughs> s'il fait semblant de pas le savoir. <laughs> non, mais... Mais... Non, non mais sérieusement, non, je... <laughs> ah, je vois où. Tu... Mais je vois, non, mais... Tu peux en mais non mais, ah, oui. non mais tu vois, non mais parce que tu regarde. Le mec, il le sait pas. Il le, il le sait pas, ok oui, Mais il fait peut-être semblant. Mais le mec qui, fait, qui le sait, qui fait semblant de pas le savoir. Bien au même. Mais oui. Ah, je vois. Je... oui. Donc pour moi déjà, il y a deux branches. est-ce que c'est pas la justice d'investiguer ouais, D'investiguer gros. Mais c'est nous la justice. <laughs> ah, c'est vrai. Alors, c alors attends. Merde. C'est est où est-ce que t'es ou quoi Bon, donc du coup, le mec, il, on va dire, on va dire le mec qui sait pas. Allez, je te rejoins, ok Comme ça. c'est cadeau, c'est la rentrée, c'est pour toi. Euh, il sait pas, bah, il a rien Il a rien, rien. Et le mec qui sait, Qu'est-ce qu'on lui... pour moi, le mec qui sait, c'est même fondement qu'un homicide, tu vois Tu vois bah, ce que je veux dire Oui, sauf que c'est un homicide qui est un peu différent du mec qui te tue à coup de hache. Tu vois ce que je veux dire ouais, bah, Il te tue à coup de bite hein. <rire> <rire> C'est vrai finalement. c'est <laughs> bon, -ce euh, je... vrai que c'est pas référencé. Euh... Je veux dire quand tu joues au Cluedo, il y a pas le colonel est moutard est -ce ce qui te tue coups de que c'est considéré... considéré comme une arme blanche. <laughs> le mec ne sait pas rien. Pour moi rien. rien. R R. On, dit, on mettra article 5 R. R. Bon, le mec qui sait et qui, qui ment par omission finalement. Pour moi, euh, c'est la même chose. Il, il, il aura la même peine que quelqu'un qui tue. Euh, qui... Avec un couteau bah, pas... Non, parce qu'avec un couteau, tu vois, il y a, une circon... Encore... enfin, il y a un truc en plus, c'est le couteau. Ouais. Quoi. Euh, pour moi, il tue. Je sais pas, il faudra regarder. Pour moi, c'est la même chose que ce qu'il y a dans le code pénal pour homicide. Juste homicide sans circonstance. Donc 30 ans. 30 ans, euh, ouais. Sachant qu'il a le même. sida, euh, il ne va pas vraiment les faire, ces 30 ans. Ouais. C'est ça Voilà. On juge Allez, c'est quoi le, ce qu'il faut dire encore Le verdict est rendu. Non, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Putain, il faudrait vraiment qu'on apprenne ça. Tac, oui, oui, ça va. 1, 2, 3. Le verdict, verdict est, est rendu. rendu. Superbe Basile. Superbe Martin. <laughs> Et de retour dans les locaux d'Allo le Droit, hein. cette, cette affaire est passionnante. Alors vous, Superbe Basile, vous avez travaillé pendant que... Bon, j'ai fait un petit forfait. Hein. Exactement. J'ai été affairé sur le trône. Hein. Il ne faut rien cacher à nos auditeurs et à nos téléspectateurs. Hein. Exactement. Et sachez, Superbe Martin, qu'on a encore mis le doigt dans un guépier. Je <laughs> ne <laughs> suis pas sûr que ça soit ça. ça, ça non. Non, je... <laughs> On a mis le doigt où il ne fallait pas, en tout cas. Sachez-le. Je m'exprime là-dessus ou... euh, Alors, alors bon, avait-on euh, raison Moi, je pense que oui. Alors, oui et non, comme d'habitude. Euh, il faut savoir que récemment, il y a eu beaucoup de revirements de jurisprudence sur la question. Ah. Hein, encore une fois, on a traité d'une affaire, euh, une, une affaire d'actualité, finalement. Et récemment dire que. Oh, quand je dis récemment, c'est ces dix dernières années. Ah, hein. oh, oui, voilà. bah, mais... <laughs> mais Oui, bah, c'est comme si moi, tu me demandes combien, combien je mesure et je te réponds, bah, euh, 11 mètres euh, 12. À 10 mètres à près. <laughs> près. c'est pareil. Non, 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 c'est pas. Euh, voilà. Hein. Bon, alors, transmettre consciemment le sida. Que dit la loi oh. Ah, ça commence bien. Hein. Alors, vas-y, <laughs> qu'est-ce qu'elle dit cette loi alors, il faut savoir déjà qu'en 91, le Sénat avait tenté d'ériger en infraction spécifique la transmission du virus de sida. C'est-à-dire qu'il s'était dit, il va falloir que vraiment on fasse une loi sur ça, parce qu'apparemment, c'était chose commune. Il y avait beaucoup de gens qui tentaient de le faire. Mais, euh, donc, ils avaient, ils avaient créé un amendement et tout, mais ça n'avait pas fonctionné. Et l'Assemblée nationale avait supprimé la loi. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe Il se passe que, il n'y avait pas dans le, dans le Code pénal d'article... De, de, Auquel raccrocher vraiment cette, ce crime via le Sida, enfin via une maladie transmissible sexuellement. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a raccroché à l'article 222-15, qui dit que euh, donc la, qualif la qualification, c'est l'administration à autrui d'une substance nuisible ayant porté atteinte à son intégrité physique ou psychique. Une substance. Bah, en fait, ça s'appelle l'empoisonnement, c'est ça. Ah, voilà. Et bah, du coup, c'est ça, c'est comme c'est via l'empoisonnement qu'on qualifie ça du coup. Et oh, là, ouais. euh, ce délit est passible de 10 ans d'emprisonnement. 10 ans. Donc, on a une jurisprudence. En 2011, Ishaim, excusez-moi pour la prononciation, Ishaim Garzala, un homme âgé de 35 ans connaissant sa maladie, mais ayant sciemment contaminé sa campagne tout en exposant deux autres partenaires, a été condamné à 9 ans de prison par la Cour d'assises de Paris. Voilà. Donc, à l'étranger, on a des choses un peu similaires, un peu différentes, ça dépend des pays. Mais ce qui est très intéressant, c'est surtout qu'il y a énormément d'avocats qui disent que c'est complètement n'importe quoi ce, cette façon de, de, de faire. Pourquoi Parce qu'ils disent qu'il faut prendre en, en compte la notion de co-responsabilité. C'est-à-dire que si euh, la personne contaminée par un rapport non protégé euh, attaque l'autre en justice, et bah, c'est comme si tu disais, euh, Bah attendez, euh, oui, c'est vrai que je me suis pas protégé, mais euh, il fallait qu'il me le dise. Mais comme tu disais tout à l'heure, ah. s'il ne le sait pas ou s'il ment, on peut pas savoir. Donc il y a une co-responsabilité normalement. Ouais, ouais, ouais. Et donc, euh, Maître Eolas, que tout le monde connaît chez Radio Juriste, ouais. dit que euh, l'infraction est constituée dès lors que l'auteur se sait porteur du virus et a un rapport non protégé avec un partenaire qu'il qu sait ne pas être infecté, point. Mais c'est pas ce que dit la loi. Mais lui, il dit que c'est ça normalement. Et il dit, même si le partenaire, dans un absurde pacte morbide, désirer être contaminé, c'est-à-dire euh, vas-y euh, contamine-moi, tu vois, ouais. ça m'excite. <laughs> et ben bah, ça, ça n'exonérerait même pas l'auteur en fait avec cette loi-là, parce que la loi est tellement mal faite que vu que c'est un empoisonnement, que même si tu désires être empoisonné, et ben bah, bah, l'autre il se fait quand même niquer, tu vois ce que je veux dire ouais. Donc la loi elle est quand même très mal faite, voilà. Voilà, c'est tout. Point de poison alors. Hein. Merci. Alors, t'as eu du mal à la fin à articuler tout parce qu'en même temps, on avait dit que les, les émissions fallaient vite. Et Ça tu sais, pulse, hein. Je te remercie d'avoir vraiment accéléré tes propos, tu vois. Et accéléré les, les rats, rats les rêves, tous les rêves, c'est vidéo à des bougies à Au revoir, superbe Basile. Ben. Au revoir, superbe Martin.